Chris Sancho, on va commencer les Zoomboxing de l'horreur. Cette fois-ci, on va mettre les bouchées doubles. Faut pas que ça nous mette en retard tout le reste de l'année. Donc, on va venir avec des introductions, des blagues et tout. T'es prêt? Tu me demandes si je suis prêt, mais moi je suis né prêt, cabron! Hey, je voulais te parler. J'ai vu que tu as mis des décorations de Halloween déjà dans ta maison. Non, ben, des décorations d'Halloween? Oui, j'ai vu que tu as commencé à décorer. Je vois pas de quoi tu parles, Sancho. Oui, j'ai vu des toiles d'araignée avec les gros insectes morts partout dans ta maison. C'est des décorations, ça? Oui, ça me revient, oui. T'es sûr? Oui, j'ai commencé à décorer. Ah, je ne sais pas sûr, moi. C'est des décorations d'Halloween, oui. Ah, d'accord. Alors, pour l'introduction, là, qu'est-ce que tu dirais? Laisse faire l'intro, tu couperas ça au montage. On passe direct à l'unboxing. Ah, ok. Oui, bonjour. Mon nom est Mike Romero. Et je suis avec... Sancho de Cuba, que le Sancho pour la salsa! Yes, sir! Yes, sir! On est là pour un autre unboxing, le premier unboxing de l'horreur 2018. Et nous commençons avec une box un peu spéciale. C'est pas une boîte à subscription, donc c'est plutôt un achat unique de la boutique Hot Topic, qui a fait leur mystery box de l'horreur. Donc c'est écrit ne pas ouvrir partout, il y a des traces de sang, des yeux, des chaînes. Donc, par contre je l'ai déjà ouvert. Voilà, je l'ai ouvert avant même de filmer. Ce qui est arrivé, c'est qu'il n'y a pas d'autre topic dans la province de Québec où j'habite, mais il y en a en Ontario, la province voisine. Mais la plus proche est à environ 2 heures de route, 1 heure et demie. Et avec une petite fille de 3 ans, surtout qu'une femme qui veut pas faire le trajet, donc il faudrait que je le fasse pendant qu'elle travaille, une journée que j'ai congé. C'est un long trajet, mettons. Voilà, tout seul avec ma fille en arrière, faudrait que... Non. Mais, sur la communauté DEV, discussion, échange, vente, Funko Pop, Montréal-Québec, il y a quelqu'un qui s'est proposé d'aller nous en chercher. Il fallait juste payer à l'avance. C'est ce qu'on a fait. Mais au moment de nous remettre les boîtes, vu qu'il avait une chance d'avoir un Chase, il nous demandait de l'ouvrir devant lui. Il voulait simplement savoir c'est qui aurait les Chase. Moi, je l'ai ouverte. Et... ben, vous verrez. Mais merde, dis-nous. C'est le jeu, Sancho. Là. Mais, ouais. Mais non, moi, dis-nous. Moi, je sais ce qu'il est dans la boîte, mais ils le savent pas. C'est ça. Donc, comme à l'habitude, moi, je vous habitue à vous montrer l'intérieur de la box avant même de procéder à l'unboxing. Donc, nous ne changeons pas les bonnes habitudes. Et voilà l'intérieur. On peut déjà voir une petite peluche de Beetlejuice. Donc, un plushies de Beetlejuice, produit Funko, bien entendu. Et voilà. T'aimais ça, toi, Beetlejuice? Ouais, ah oui, Beetlejuice, moi, oui. Ça c'était un... Ouais, j'ai adoré, en fait. Voilà. Beetlejuice. Peut-être parce que c'était Tim Burton à l'arrière, peut-être parce que c'était Michael Keaton à l'avant, mais... Il y a quelque chose de Beetlejuice que moi j'ai bien aimé. Donc oui, avec ça, oui. Ensuite, nous avons un Pocket Pop Keychain de Ash vs Evil Death. C'est Ash, voilà. Donc, exclusif à Hot Topic. Donc oui, très très bien. Très très beau. Mais nous avions aussi une Mystery Minis exclusive à Hot Topic pour vendredi le 13. Donc, j'imagine que c'est... Donc,
Jason? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Avec le sac sur la tête, le râteau et les vêtements de fermier. Il n'y a qu'un œil qu'on peut lui voir. Donc très très beau, oui. Oui, oui. Et finalement, la Funko Pop. Oui, Sancho. En fait, comme je vous disais, il y avait une version normal et la même mais en chase avec un peu de sang. Voilà, c'est tout. On parle de la licence de Texas Chainsaw Massacre, donc le massacre à la tronçonneuse, avec, bien sûr vous l'aurez deviné, Leatherface avec le masque d'une jolie femme. Voilà, on se remettait le relax, c'est un psychopathe qui découpait les visages de ses victimes et décidait de se les... Voilà. Non. Mais ici, c'est très bien réussi. Je ne sais pas si la caméra rendra justice, mais vous voyez, on voit très bien qu'il porte un masque. Voilà, donc une peau sur son visage. À l'arrière, là, l'image iconique du meurtrier. Mais oui, de toute beauté, le voilà sorti de la boîte. Comme je vous ai dit, voir le détail ici. Avec la tronçonneuse, son petit habit. Ouais, ouais. Ouais. Ses cheveux en bataille. Donc, oui, très très bien. Les plis de vêtements aussi, très bien réussis. Mais voilà, c'est ça qui était ça. Pour la Hot Topic Mystery Box de l'horreur. Pas très convaincu. Je m'attendais pas à grand chose non plus. Voilà. C'est un peu comme les boîtes d'AB Games pour l'action de grâce. C'est jamais plus fantastique que ça. Mais les licences pour l'horreur sont très bien sélectionnées. Il n'y en avait aucune. Il n'y en avait aucune vraiment qui revenait. On avait du Beetlejuice, du Massacre à la tronçonneuse, du Vendredi 13, du Evil Death, à la bonne heure. Seulement que 4 articles, ça laisse un peu sur la faim, mais je comprends qu'il est un peu plus dur. Par exemple, là, il aurait clairement manqué un t-shirt, mais vu que c'était des boîtes à la vente libre, c'est un peu dur de pouvoir trouver les tailles. Mais bon, c'est une boîte qui est correcte. Je m'attendais pas plus que ça, en fait. Mais je veux savoir, vous, dites-moi là dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que vous l'auriez acheté? Est-ce que la pop vous plaît? Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Et si vous, ce que vous avez vu vous plaît, lâchez un pouce bleu. Souscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et ben moi, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé. Ciao!